Salut tout le monde, aujourd'hui ensemble on joue à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! C'est un truc de fou comment j'adore faire mes intros aussi rapidement. C'est genre salut tout le monde, aujourd'hui on va ensemble jouer à Clash Royale. Ouais, j'adore faire ça, c'est un truc de fou, c'est kiffant, tu vois, je sais pas, ça donne une sensation de rapidité, de... Tu sais, ah, je sais pas, j'aime bien. Bon, en attendant, on va ouvrir le coffre coffre d'argent, c'est parti, on est chaud, attention, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 67 d'or, ça fait plaisir, on est à 1060. Attention, il y a une roquette et 9 flèches, ça fait plaisir. La roquette, j'utilise pas pour certaines raisons, que certaines personnes connaissent, ou pas d'ailleurs. Alors, du coup, coffre d'argent. 67 d'or, encore une fois, attention, on est précis aujourd'hui, on est précis. Et une mousquetaire, ça fait plaisir. Et 9 esprits de feu. Bon, esprit de feu, c'est bien, mais j'utilise pas, voilà. D'ailleurs, il y a peu de troupes que j'utilise. Hein, mais bon, il y a toujours des fois où je teste des decks ou des choses comme ça, donc je finis par utiliser. Mais bon, pour l'instant, je suis dans l'optique d'utiliser qu'un seul deck et de l'améliorer à fond. Alors, une pierre tombale, ça fait plaisir. Pierre tombale. C'est un bâtiment défensif, mais c'est vrai qu'elle est bien, mais c'est un bâtiment défensif, et encore une fois, j'ai du mal à utiliser les bâtiments défensifs. Enfin bon, en attendant, le barbare, enfin ouais, les 9 barbares qui sont plutôt pas mal. Après, coffre gratuit, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir des troupes de ouf? 76 d'or, c'est déjà pas mal. Une requête, ouais, encore une fois, j'utilise pas. Pour éviter de faire des dégâts à la tour, voilà pourquoi. Parce que ça, quand ça fait des dégâts à la tour, ça plaisante pas, hein. Hein, ouais, non, mais bon, si tu commences à te tromper, ça change le cours du jeu, c'est moi qui te le dis, hein. Alors, 9 bombardiers, ça, c'est de la balle, j'adore le bombardier, c'est un truc... Il est tellement puissant, il est pas résistant, mais il est tellement puissant de ouf, c'est un truc de malade. Alors, coffre gratuit, encore une fois, 70 d'or. Attends, on est précis aujourd'hui, hein. Oh, 1333, t'as vu ça un petit peu? Non, mais ça, c'est beau, ça. Alors, 3 mousquetaires. Oh, les 3 sont présents, les 3 sont présents. Attention, 9 esprits de glace et... Et à chaque pack opening, il sera là, lui, hein. C'est pas possible autrement. Et il sera toujours là, hein. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Ah, mais il est toujours là. Ouais, salut, je suis là. Coucou, comment tu vas? Mais je m'en fous de ta vie, moi. Vas-y, dégage, là, dégage. Non, mais bon, c'est assez hallucinant, quand même, comment... Bon, d'accord, j'arrête. Non, j'arrête, parce que j'arrête pas de dire hallucinant depuis tout à l'heure, donc on va changer ça, hein. Alors, 210 d'or, ça fait plaisir. 3 que... Bop. En ce moment, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Alors, 3 chevaliers, ça fait plutôt plaisir. 12 électrocutions. C'est plutôt pas mal. Mais c'est assez compliqué à utiliser l'électrocution, on va pas se cacher. Non, je préfère les flèches. Franchement, je préfère les flèches. 14 bombardiers. Ça fait plaisir. Oh, 3 cochons, les gars. 3 cochons. Et ben voilà, j'ai réussi mon pack opening. J'ai eu 3 cochons. Moi, j'aurais préféré la Valkyrie, hein, on va pas se le cacher. Mais j'ai eu 3 cochons. En ce moment, j'ai pas mal de cochons. Dernière fois, enfin, je sais plus quand, j'avais eu un cochon, puis encore un cochon. J'ai pas mal de cochons en ce moment. Et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la Valkyrie est un petit peu mieux quand même, hein. Une petite Valkyrie, ou pourquoi pas un petit méga gargouille. Mais en attendant, quand même, généralement, quand même, le cochon, déjà, c'est déjà pas mal. Je suis susceptible de l'utiliser. Bon, en attendant. On va finir notre petit pack opening. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 petites attaques. Et après, comme dit juste avant, on va ouvrir le coffre à couronne. Et donc du coup, moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on est contre Mac, qui est niveau 9. Toi, je vais te défoncer, hein, je vais te défoncer. Hein. T'es sur Mac? T'es sur... Ah ouais? Moi, je suis sur Windows, je vais te défoncer. Non, je déconne. Là, c'est juste un petit jeu de mots, il fallait bien faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, Prince Ténébreux. Ouais. Moi, je sais pas. Bah, tu sais quoi, on est des fous. Hein. On tente tout pour le tout. Il y a une boule de feu, on est mort. Ah, ok, d'accord, tu joues à ça. Bah, moi, je joue à ça. Ok, bah voilà, chacun sa tour, comme on dit. Mais qui c'est qui va gagner la tour en premier? Voilà, donc. Ah, ouais, désolé. Là, j'avais un truc sur la lèvre, c'est pour ça. Bah, voilà, tu vois. Lui, m'a même pas détruit ma tour. Eh bah, j'ai bien joué. Il avait le sort de zap? Voilà, t'as vu? Il aurait les flèches. C'est qui aurait gagné? Voilà. Et bah, voilà. Non, mais bon, il y a un moment, tu vois. Les flèches, c'est primordial. Hein, donc votre sort de zap, là, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'utiliserai jamais. Ou presque jamais. Mais pas sur mon deck principal, ça c'est sûr que non. Alors, ça passe ou pas? Et franchement, les archers niveau 11. Oh, mais comment j'ai trop bien fait de les améliorer, mon petit. Alors, toi, tu fais du taf ou pas? Oui, il défend. Il défend même pas. Regardez-moi ça, on l'a mis au même point de vie au niveau de la deuxième tour, quoi.
Le mec, il nous a même pas encore pris une tour qu'on l'a mis au même point de vie sur la deuxième tour. Ah, c'est bon ça. Alors, on a une tour d'avance, comme on dit. Un tour d'avance, une tour d'avance. Bon, alors. Eh ben, dis donc, il y a des fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé la Valkyrie et puis peut-être les hordes de gargouilles, peut-être. Ouais, non, je sais pas, oui. Non, tu sais quoi, on va faire ça. Ouais, répétitif, tu vois, c'est pas forcément. Du coup, on va faire ça tranquille, on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Tu me contres avec une Valkyrie, avec quoi? Avec un sort de zap. Oh, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Bon, regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais il est mort, hein. Regardez, hop, je fais le gros enfoiré et je mets la horde de gagou, il est mort. Bon, de toute façon, il a quitté, donc. J'ai envie de te dire, c'est trop tard pour lui, hein, voilà. Et ben voilà, trois petites étoiles. Ah, mais bon, on vient pas me chercher, moi. Ah ouais, on vient pas me chercher. Non, mais j'ai eu quand même un peu de la chance dès le début. Oh, coffre en or, ça fait plaisir. J'ai eu de la chance dès le début parce que j'aurais pu très bien tomber sur quelqu'un qui avait une boule de feu ou des flèches. Et ça serait pas forcément passé comme ça. Donc, franchement, j'ai eu de la chance, ça fait plaisir. Attends. Est-ce que j'ai envoyé... Attends. Je suis en train d'afficher mon mousse de lave, j'ai pas envoyé. Je m'en rappelle plus. Ah, je sais plus. Est-ce que j'ai... Ouais, je crois pas. Hein. J'ai envoyé direct mes troupes, mais mon mousse de lave, je l'ai jamais envoyé. Ça, c'est fort, ça. D'habitude, j'envoie toujours... Et ouais, c'est fort. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Bon, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois que ouais, je suis pas sûr. Bon, en attendant, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque, et après, on nous s'ouvrira ce fameux coffre à couronne. C'est parti. Et c'est parti, on est contre Xam, trait d'union, 64, je sais plus comment ça s'appelle, là. Enfin bon, on s'en bat les steaks. Et donc du coup, hop, qui est niveau 9, petit molosse de lave, attention, petit sourire, petite bonne chance, je sais plus si je l'ai dit, je m'en bats les steaks. Vaut mieux répéter au cas où, hein, c'est toujours mieux. Donc, monsieur me fait très très mal, là. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer du prince ténébreux, parce que là, il fait très mal, donc on va pas pouvoir vraiment faire autrement, parce que la horde de gargouille, elle passera jamais. Donc du coup, je pense qu'on envoie ça, on prépare les flèches au cas où. Ouais, c'est pas vraiment quelque chose qui a besoin des flèches, là, hein. Au niveau 8, là. Il avait pas déjà envoyé une... Non, il avait envoyé les archers. Attends, niveau 8, quoi. Oh, c'est énorme, t'imagines? Oh là 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 là. Mais ça... Attends, le mec, il avait quand même des... Une Valkyrie niveau 8, quoi. Moi, je l'ai niveau 11. Niveau 11. Ah ouais, bah, je suis un fou, t'as vu ça, j'ai au niveau max. Non, je l'ai... J'ai seulement niveau... Niveau, je perds la boule. Seulement niveau 7. Et pourtant, j'ai mis longtemps à l'avoir niveau 7. Donc, franchement, soit il a eu de la chance, il en a gagné beaucoup, soit le mec, il demande beaucoup, hein. Attends, juste, on va faire ça. Ouais. C'est bon? Ça va, c'est pas dégueu. Franchement, il y a moyen de faire du taf. Il y a moyen vraiment d'aller droit vers le but et de tout exploser. Alors, ce qu'on va faire, hop, tranquillou. Poum, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, quel dommage. Alors, oh, il faut 4 flèches pour les tuer. Bah dis donc, t'imagines moi niveau 11. Il en faut encore, bah il en faut 4. Mais il y a plus de vie, quoi. C'est... Bon alors du coup. Oh là là, t'as vu le sort de zap encore une fois? Allez, mais prenez les flèches, regardez. Avec les flèches, est-ce que ça serait passé comme ça? Mais non, pas du tout. Regardez moi ça, et en plus derrière, boum, on lui explose son truc. Bah voilà, de quoi attaquer comme il faut. Oh là là, mais tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les flèches et pas le sort de zap. Ah là là, enfin en tout cas quand tu tombes sur quelqu'un comme moi. Après c'est sûr que ça dépend sur qui tu tombes. Mais généralement les gens ils ont au moins un petit géant, quoi. Au moins un petit géant pour protéger leur horde de gargouilles ou quelque chose comme ça. Alors du coup, on va envoyer ça. Hop là, tranquille. Ouais, ça va, on fait du taf, regardez-moi ça là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez hop, on envoie le mousse de lave. T'inquiète que là, on va se faire plaisir bien comme il faut, hein. Oh regardez-moi ça. Magnifique. On n'a pas encore envoyé sur cette glace. Ah si, on l'a déjà envoyé, je suis bête moi. Il était devant mes yeux, mais j'avais pas vu. Du coup, regardez-moi ça. Deux sorciers de glace. Une petite horde de gargouilles. Vas-y, mets ton sort de zap. Mets-le, je m'en bats les tecs. Ah, quoi que là, si, ça risque de faire mal. Mais quoi que c'est vite fait. Ouais, bah t'as vu, c'est vite fait. Non, franchement, c'est vite fait. Hein. On fait quand même du taf. On fait du taf. Ouais, franchement. Ouais, de toute façon, on a gagné. Je m'en bats les tecs, on a gagné. Non, on a gagné. Fais ce que tu veux, on a gagné. Voilà, je suis full élixir depuis un petit moment, on a gagné, on est tranquille, voilà, on est reposé. Non, pas du tout. Voilà, du coup, non, je tiens à clarifier les choses quand même, pas du tout. Ouais, on est quand même plutôt fatigué, mais malgré tout, petit à petit, tu vois, on avance, hop là, tranquille, il y a les choses qui avancent, les choses qui s'améliorent, on fait des trucs de fou, tout ça, papapam. Mais d'ici, allez, c'est quoi, d'ici fin 2017, enfin, on va dire vers fin 2017, normalement, je serai libre.
J'espère. J'espère être libre même à 100%. Ce qui me permettra d'avoir toute la journée pour justement faire plus de choses. Et pourquoi pas recommencer les vidéos le week-end. Ah, je suis pas sûr. Ce qui serait pas mal, ce serait peut-être de pas recommencer les vidéos le week-end, mais du coup, le week-end, en profiter pour faire d'autres choses et du coup, faire des choses plus intéressantes, je sais pas. Enfin bon, ça, on verra ça d'ici la fin de l'année 2017, donc dans un an. C'est dans longtemps. Ouais, après l'été, quoi. Après l'été, je suppose, hein, un truc dans le genre. On verra bien. On verra bien. Et puis, du coup, moi... Ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais vous dire tout de suite pour coffre à couronne. Regardez. À tout de suite, c'est parti. Et voilà, je vous ai pas menti quand je vous dis à tout de suite. Bah ouais, il était déjà débloqué depuis un petit moment. Hein. Ouais. Moi, je prends pas tout de suite les attaques, tu vois. J'essaye des fois d'avoir des bonnes attaques. Et encore, ça, je l'aime pas trop, mais bon... je peux pas faire mieux. Hein, là, je peux pas. C'est pas possible. Alors, c'est parti, on ouvre le coffre à couronne. Attention, qui est niveau niveau 8 du coup, il a reine 8 donc il est niveau 8, 497 d'or, il se fout de moi, il aurait pu mettre 500 mais il a mis 497 le petit malade. Alors du coup 2 gemmes ça fait plaisir, 13 esprits de glace, ils vont jamais me quitter malheureusement mais c'est pas très grave, 21 squelettes, c'est déjà pas mal, et 24 Tesla, t'es sérieux là? J'aime pas la Tesla, j'aime pas. Non mais c'est un bâtiment défensif et j'arrive pas à utiliser bâtiment défensif, c'est un truc de fou. Alors du coup, oh 6000 PK, c'est déjà pas mal. J'aurais préféré du cochon. Et pourquoi pas aussi de la Valkyrie ou la gargouille volante, la méga gargouille. Ah, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Mais malgré tout, on a fait quand même de bons packs opening. Et puis, allez, puisque c'est vous, après c'est le week-end, tout ça, je vous dis à tout de suite pour un deuxième coffre à couronne. Ouais, je suis un fou, moi, je suis comme ça. Alors pourquoi j'ai pas ouvert le coffre tout à l'heure avec le pack opening? Parce qu'en fait j'étais pas sûr qu'il y avait un deuxième coffre à couronne, vous voyez? Et donc du coup, pour être sûr, je me suis dit on va pas l'ouvrir pendant le pack opening, on l'ouvrira après. Et finalement, il y en a eu un deuxième, donc voilà, mais j'étais pas sûr. Donc du coup, on ouvre le deuxième maintenant, hein. De toute façon, hein, j'ai le week-end là, donc j'ai le temps d'en récupérer des coffres à couronne. Hein. Les deux, je les aurai. Hein. Alors, coffre à couronne, attention! 468 d'or, c'est déjà beaucoup moins que tout à l'heure, mais malgré tout, c'est déjà bien. 2 gemmes, pas mal. 9 chevaliers, ouais. 47 esprits de feu, ouais, c'est pas top, mais ça va. 7 chevaucheurs de cochon, les gars. 7 chevaucheurs... Oh là là. Ça sent les pics, les gars. Un sort de rage. C'est déjà pas mal. Non mais dans ma tête, moi ça me disait « Ouais mais attends, ça sent l'épique, mais tu sais que tu peux aussi avoir une petite légendaire quand même, hein ?» Une petite légendaire. Donc c'est pour ça que je m'attendais à mieux, mais bon. Malgré tout, un sort de rage, franchement pas mal. C'est vrai que le ballon est pas mal aussi, le ballon. Donc c'est vrai que j'aurais pu avoir le ballon, ça aurait été pas mal. Bon, j'ai eu le sort de rage, ce qui est vraiment pas mal. Mais le sort de ballon, enfin le ballon... mais bon, le ballon et le sort de rage avec le géant... Hein, on sait ce que ça donne. Enfin, personnellement, je sais très très bien ce que ça donne. Enfin bon, attendant. Donc j'ai fait... on s'est fait un pack opening. On s'est fait 2 petites attaques. Et après, on a ouvert 2 coffres à couronne parce qu'on a fait les fous. C'est la première fois que ça nous arrive, donc. Alors, du coup, on va se laisser sur ce. Vous savez quoi? J'ai une petite idée. Bon, là, on est mercredi. Donc ce soir, donc en vrai on est jeudi dans la vidéo là, mais quand je la tourne on est mercredi, donc c'est hier quoi. Voilà. Donc en fait, ce soir je vais regarder un film qui s'appelle Les Animaux Fantastiques. J'ai une petite idée, pourquoi pas pour vendredi, si j'ai le temps, ok, qu'on vienne pas me dire « Ouais, mais t'as pas fait la vidéo, gnignignign », si j'ai le temps, parce que franchement, j'ai pas le temps. Mais on sait jamais, des fois, on sait jamais, si je fais le fou, j'ai pu avoir le temps. Pourquoi pas, hop là, boum, je vous parle un peu du film, voir, tu vois, vous dire un petit peu mes impressions. Apparemment, ça ressemble à Harry Potter, ça se passe avant Harry Potter, je crois, si j'ai bien compris, un délire comme ça. Et moi, j'aime bien Harry Potter, donc si jamais c'est dans le même style, ça ferait plaisir, tu vois. Ça serait une nouvelle découverte et un bon début de film, une série de films comme ça à regarder, ça pourrait être pas mal. Mais bon, pour l'instant, je sais pas ce que c'en est vraiment. Donc on verra ça, je verrai ça ce soir. Et puis pourquoi pas, on verra ça vendredi ensemble, si j'ai le temps, ok, voilà. En attendant, on se fait des bonnes attaques. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, moi c'était cool.